Et tout le monde, c'est Sub Dylan. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement on va réagir directement à mes anciennes vidéos YouTube, donc des vidéos d'il y a 6 mois, il y a un an et demi, deux ans et demi, trois ans. Pas après, parce que après j'ai tout supprimé il y a quelques années d'ici, tout ce qui est il y a 4 ans, 5 ans. En tout cas, j'espère que ce concept là va vous plaire. Si vous voulez que je réagisse à d'autres vidéos, dites-le moi directement en commentaire. Je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Ouais, c'est quoi cette voix de mini-boy? C'est Alvin les chipsman. Nick, t'es mort. Oh my god. Oui, attends, je me suis insulté là. Alors, on va réagir à la vidéo la plus vieille. C'est FIFA 19, mon plus gros pack opening de tous les FIFA. Oh là là, le montage, Char Factory. Char Factory, 720p. Il n'y avait même pas la 1080p ni la 4K. 720p. C'était horrible. Avis sur le montage, il est éclaté. C'est nul. Voyez, oui. Du bleu. Oui, oh. Du bleu, les gars. Oui, du bleu. C'est parti, du bleu. Oh non, c'est de la merde. Ok. Oui, en tout cas, les systèmes des packs, je préférais mieux avant que maintenant. Le micro en soi, il était pas dégueulasse, mais on sait bien que c'était le micro via la Play. 720p, bon, vu que c'est que le jeu, en soi, on ressent pas trop la 720p. Il y avait pas de caméra à ce moment-là, il y avait rien. Il y avait des montages à Char Factory, donc il y avait juste les cuts. Par contre, l'intro Char Factory, elle est dégueulasse. J'ai jamais vu une intro aussi pourrie, en fait. Oh, Lucas, moi. Bon, ASMR Fortnite en faisant un top 1, hashtag 1. D'ailleurs, j'ai ouvert une chaîne ASMR et je vous la mets directement ici. N'hésitez pas à vous abonner, du coup, à la chaîne. Pas relaxant, sa mère. Pas relaxant, c'est quoi ce que j'ai fait? Déjà, point négatif, tu veux faire de l'ASMR, mais t'as un micro qui on dirait, il y a une tempête dedans, c'est éclaté, c'est nul, faut dire les termes, c'est nul. C'est quoi ça, frère? On dirait lui qui a fait ça. Mais regardez, c'est quoi cette mini à éclater? Oh, oh. Il y a un logo FIFA, il est carré, il est coupé. Et ici t'as que des flèches et c'est de la merde, la carte elle est minuscule. Ah, une des premières mini aussi qu'on a fait avec Romain, on savait pas comment cut les fonds, bah on a laissé les fonds comme des clochards, hein. On va pas se mytho, c'était nul. On va regarder un peu, j'aimerais bien voir, je m'en rappelle un peu ça, c'était un peu des bons souvenirs. Il y avait pas de LED, il y avait pas de décor. J'avais une coiffure de... Et j'avais la voix sans la cam. Et je mettais la cam après la vidéo juste pour faire croire que je parlais sous la vidéo alors qu'en fait je faisais juste des imitations de... Vas-y, c'est pas possible. Non. En compagnie de ça ou Romain, c'est à toi. C'est à toi. Oui, quel clochard. Quel clochard pour faire ça, non. En plus ça pue la merde. Coiffure qui pue la merde. Qualité. 720p, musique beaucoup trop forte, micro de merde, pas de contour de cam trop grande, vidéo pas trop longue, ça va, mais tout pue la merde en fait. Bon, voilà, aujourd'hui les gars, nous... Regardez le mec, carrément j'ai mis la cam, j'ai même pas imité, j'ai pas fait d'effort, j'ai fait... En fait, j'ai juste mis pour l'intro ma tête. Alors qu'en fait, j'ai mis ma tête, mais sans parler. Donc, ça pue la merde, vraiment. Et sinon, durant la game, j'ai pas mis ma tête. Bon, du coup, il y a 2 ans. Donc, c'était plus récent. C'était en 2020 ou 2021. Je pense que c'était en 2020 encore. Voilà, presque 3 ans. De mon équipe pute de fou à vie. Oh non, regardez. Non, mais regardez le problème. Je mets une cam, elle pue la merde la cam, il y a trop d'éclairage derrière, trop peu à l'avant au premier plan. Et le pire, c'est que je mets ma cam pour faire semblant de parler, genre en mode... Bah comme je vous ai fait avant. Mais comment j'ai pu sortir ça sur ma chaîne YouTube? Tu me sens que tu es Dylan, ça sert à quoi de mettre ça déjà? Ensuite,
t'as une coupe, c'est un clochard, frère. Ta cam, elle fait le trois quarts de l'écran en haut, là. Puis, même, tu mets ta tête, il se contre-regarde alors que tu parles pas en direct. J'ai même plus envie de réagir, ça pue la merde. Je suis très critique envers moi-même, mais je suis pas fier en fait de ce que j'ai fait il y a 2 ans, frère. Il y a 2 ans, j'avais 16 piges, j'aurais très bien pu investir dans mieux et faire mieux, c'est tout. Sachant que je voulais me lancer sur YouTube depuis 2015 environ, donc j'étais censé savoir un peu mieux. 5 ans plus tard, j'étais censé enquêter. J'ai pas fait le nécessaire. Bon, ça, je suis désolé de vous dire ça, c'est ma seule vidéo fake. Voilà. J'ai pas hâte de vous dire ça maintenant, mais... Ici, celle-là, franchement, j'étais plutôt fier de ces vidéos-là à l'époque. Je vais voir un peu ce que ça donne. J'étais plutôt fier à l'époque de ce que ça donnait comme... Oh non, comment j'ai pu être fier de ça? En fait, je pense que j'étais juste fier de la miniature. Mais regardez la cam, le mec, il est comme ça, et... Encore plus bas, moi, ouais. Et en plus, frère, la lampe, oh, ça éclaire l'arrière-plan, mais pas le premier plan. Au premier plan, il faut ça, il faut la lampe là-bas, il faut des trucs qui te mettent en valeur un peu, tu vois. C'est vraiment éclaté pour le coup. Une nouvelle vidéo de ça. Le pire, c'est que je mettais juste la cam pour l'intro, après je disais, oh, flemme, bah les couilles, je lâche la cam. Non, mais c'est grave. Ah ouais. En tout cas, le micro, il était pas dégueu. Franchement, je trouve pas ça dégueulasse, mais c'est pas le niveau d'un vrai micro. Bon, si on réagit à celle-là un petit peu, on va voir. Salut, sur tout simplement pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'ai déjà fait ma tier list. Il y avait un peu plus d'envie en fait. Non, là, il y avait un peu plus d'envie par rapport à l'imitation, mais tu le ressens encore que la cam a été mise après avoir tourné la vidéo. En fait, là, c'est même pas une voix off en soi, c'est de la merde. En tout cas, c'était la même chambre qu'ici. Alors qu'au départ, la première vidéo que j'ai réagi, c'était dans l'ancienne maison. Le pire, c'est qu'à l'heure actuelle, j'aurais fait une tier list, j'aurais fait en direct avec vous, j'aurais pas fait à l'avance. Je sais pas pourquoi là, je l'ai fait en avance. Le pire, c'est que j'ai mis en prime Arsène, Rafsou, Benz. Je suis d'accord pour les 3 premiers en soi. Moi, le King, j'aurais pas mis en Toti du tout. Bruce Granek, pas trop non plus. Hein. Bon, on va aller plus récemment parce que là, il n'y a pas beaucoup de changements. Donc, c'est un peu pourri, on va pas se mentir. Oh non, 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 pas ça. Fall Guys, 3 parties pour 3 défis chacun. Si tu rates un défi, 1 gage, 2 défis, 2 gages. Bon, moi, là, c'était clair et tout. C'était directement compris, en fait, grâce à la Minia. Mais la Minia, elle est éclatée et on va pas se cacher. 25 minutes, en plus c'est très long, ça, c'est trop long même. Et 53 vues, c'est éclaté. Voilà, finito pipo. Les gars, je vous retrouve simplement pour une nouvelle vidéo en compagnie de Sauro. Là, le micro était dégueulasse, mais au moins la cam était en direct, je pense. Romain, salut. Salut les mecs. Ouais, c'est quoi cette voix de Minimoy? C'est Alvin les Chipmunks. Oh. Nick, t'es mort. Non, mais vous voyez, Alvin et tout, et Théodore et tout. Romain, c'est Alvin, là, je le sens. Au départ, c'était Théodore. 2 ans d'ici, c'était Alvin. Maintenant, c'est le daron, là, c'est le daron des écureuils. Bande-annonce officielle de mon 3e parcours Fortnite. Une bande-annonce qui dure presque 6 minutes. Encore une fois, parce que les effets Pixar, c'est nul. Et j'utilisais trop quand j'ai découvert, donc il y a 2-3 ans d'ici. Par contre, 5 minutes 50 pour une bande-annonce, oh wesh. Même un film, la bande-annonce, elle dure moins longtemps. Mais déjà, pourquoi tu mets ta carte? Oh, mais c'est quoi ce micro? La musique, elle a une meilleure qualité. Oh, le contour de cam. Oh, il est frauduleux, le premier contour de cam. Oh, non, non. Simplement, les frérots, donc, vous n'avez qu'à juste esquiver les obstacles. Ici, c'est pareil, c'est la même étape, les gars. Tout simplement. En tout cas, je vous mens pas, le parcours, j'en suis toujours fier. Mais la cam, la qualité du visuel et audio, c'est pourri de cette vidéo. Et même le son... Je suis la merde. Bon, du coup... En vrai, c'est là, je suis intrigué de savoir. La miniature, elle est pas nulle. Ça fait un peu animé. Je sais que c'était quelqu'un qui m'avait raconté son histoire et tout. Et je l'ai raconté directement en vidéo. Y a pas d'effort. Ça, j'aurais que... Oh, regardez la coupe, regardez la coupe. Attendez, on va passer en plein écran. Regardez la coupe. Oh my god! Je me suis transformé. Oh, il y avait les 1080p, hein, c'était déjà mieux. Regardez la coupe. Oh. La coupe à Anne Frank. Je vous jure, c'est la même coupe. Ok, il y avait mon intro que j'ai jeté il y a peu de temps. Ma coupe de cheveux. Oh là là, mes curly.
partie contrairement à maintenant, je trouve. Alors pourtant, j'étais tout le temps comme ça dans ma tête en me disant putain, mais c'était mieux au début les curly que j'ai fait. Mais en fait, pas du tout. C'est beaucoup mieux maintenant. Après, là, c'est vrai que je venais de me doucher et tout. Putain, la qualité est plus la merde. Première fois que je suis retourné chez le coiffeur. Waouh, OMG. Donc, on va voir et tout. Et maintenant, ils vont repousser comme ça. Waouh, je raconte ma vie en plus. Et en fait, je vous avais promis aussi que j'allais vous faire une vidéo sur. Je vais regarder ça. Ah, ça me fait trop mal au cœur, ça rappelle trop de mauvais souvenirs. Bon, du coup. Mon absence qui a duré 5-6 mois, c'est pour une raison bien précise. Là, c'était au mois de juin 2021. Mon absence a duré de novembre 2021 jusqu'à fin février, début mars, je pense. Rien. J'étais pas avec des potes extra non plus. Ouah, mais c'est quoi cette vidéo de la photo? Une vidéo de merde. Comment tu veux passer sur YouTube quand tu fais du contenu aussi pourri, fils de chien? Oui, attends, je me suis insulté là. Là où je suis revenu pour moi au point fort, c'était ici. Regardez, là en fait, entre ces 9 mois et les 5 mois, on a fait des lives en direct, si je me trompe pas. Ici, on en a fait. Regardez, 6 mois, 7 mois. On en a fait. Mais regardez là, sinon les vidéos, on n'a pas fait entre 9 mois puis 6 mois. Puis après, j'ai pris un mois avant sur une autre. J'étais pas du tout motivé. Mais en tout cas, je trouve que je suis bien mieux revenu. Que avant. Bon, cette mini là, par contre, je suis toujours pas convaincu. Quand je l'ai faite, j'ai dit putain, je regrette, j'ai vraiment fait une mini de merde et tout. Mais je savais vraiment pas comment l'interpréter, comment la faire. Bon, en tout cas, il y avait déjà les lettres, tout ça, c'était beaucoup mieux. Après la capuche, c'était le mood vraiment triste. Et ici, c'est toujours pareil, c'est grave. Et là, on a commencé à rigoler un peu. Donc, je me suis fait ban de Omegle, mais au moins, ça m'a permis de me relancer sur une bonne voie. Avec autant de vues. Puis on est bien reparti. Mais c'est surtout cette vidéo là, j'ai trouvé masterclass. Malgré qu'il y avait la capuche, que je regardais de côté et que j'avais pas encore ma nouvelle caméra ni mon nouveau micro. Là, au fond de moi. Franchement, j'étais plutôt fier de cette vidéo là. Et franchement, on est reparti après sur de bons trucs. Mais regardez juste cette différence entre cette vidéo là et cette vidéo là. Vous êtes prêts? Alors, on va voir si. Dites-moi s'il y a de l'évolution ou pas, hein, ok? Alors voilà. Ici, il y avait déjà un bug, en plus c'était éclaté. Plus la merde. En fait, il joue à fond en club, mais pas en national. Après, c'est vrai que tu joues pas au même poste, donc t'as peut-être varié. Déjà là, on a l'impression, en fait, on m'entend dans une cave, renfermée. En plus, c'est la cam, ça m'éclaire pas. Enfin, il y a rien qui m'éclaire, genre la lampe, elle m'éclaire pas. Il y a rien qui m'éclaire, il y avait pas ça. Il y avait pas le micro, c'était des vieux écouteurs. De toute façon, vous voyez. Là, je mets des écouteurs juste pour écouter la vidéo, pas pour vous parler. Le parler, c'est micro ici. Et il y a la lampe là-bas pour m'éclairer, la lampe ici, la cam là. C'est une JT Extreme Cam. Et de toute façon, la vidéo juste après, elle parle de mon matos. Donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Ça me ferait plaisir vraiment. Mais voilà. Donc, compare juste ça. Enfin, avec... changer si on met à son vrai poste. Comparez ça du coup avec ça. Regardez, vous êtes prêts? Déjà là, il y a la 4K. Avant, il n'y avait que la 1080p. Mais la cam et tout était dégueulasse. Donc là, déjà, j'avais pas encore été chez le coiffeur. Mais bon, c'est pas grave ça. J'ai une coupe de gigolo. Mais regardez juste. Contexte est simple. C'est une vidéo présentation de. Et ça, c'est la pire erreur que j'ai fait, c'est de montrer mon matos, tout ça, d'en parler, etc., avec le micro en horizontal. Un Blue Yeti, en fin de compte, j'ai remarqué qu'il fallait le mettre vertical et pas horizontal. Donc voilà. Mais mon nouveau matos, micro... plus de monde. On commence tout d'abord par le sapin. Après, la voix, elle est quand même largement meilleure que le micro d'avant, ça c'est certain. Même la cam, vous voyez, j'ai changé aussi de cam, vous voyez, c'est bien plus éclairé. Il y a bien tout, etc., c'est bien mieux. Après, là, il y a... Vous voyez déjà à vue d'œil. La 4K ici. Il y a les zooms, il y a des meilleurs montages. Que à l'époque, j'ai jamais fait de zoom, j'ai jamais rien. Il est KO, il est mort. Waouh, les hiboux qui sont calés ici. Alors, il n'y a pas que les hiboux, il y a aussi le Père Noël là-bas. Premier hibou ici, il avait payé 150. Là, c'est le zoom, le rétro zoom, je sais pas quoi là, pour se remettre. Donc en vrai, il y a vraiment de l'évolution depuis. Et là, c'est ben, la vidéo juste après celle-là. Donc c'est les deux seules vidéos que j'ai montées en 4K avec mon nouveau matos, tout ça.
Donc c'est beaucoup mieux, ça aussi. Et je l'ai fait avec ma cam, la photo. C'est la fin de cette vidéo. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il y a à faire. Merci à tous, en tout cas, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercierai jamais assez pour tous ceux qui regardent mes vidéos. N'hésitez pas à me conseiller de nouveaux concepts ou d'autres concepts, tout simplement, en commentaire. En tout cas, on revient en force. Désolé encore pour mon absence, j'avais beaucoup de choses à régler. Et on se retrouve très bientôt aussi pour une vidéo sur ma chaîne secondaire, pour une vidéo ASMR, tout simplement. Sur ma chaîne Ibou ASMR. Sur ce, c'est Vilaine et